anybody like some pound cake? Like some pound cake, some cake, some cake, some cake, some cake, like some pound cake, some cake, some cake, some cake, some cake, some pound cake, some 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 cake. Bonjour. Salut à tous. Bonne douée. Non, je voulais écouter l'histoire. Ah oui, j'avoue. Faut savoir que je l'ai jamais fait. Hein. Cyril, relance. Relance, j'en ai marre. T'as tout gâché. Salut à tous. C'était Kevlar 830, donc Ivan, Dead Goros et un innocent. Papy Noctis. Un innocent Papy Noctis qui ne comprend pas. Papy Noctis, c'est Captain Bacon. Déception. Welcome to Jackass, au revoir. Attends, on a acheté les trucs, mais d'accord. Ah. Je croyais que c'est pas le même dialogue. C'est tout ça pour ça. Merci. Mais ensuite, tu sais que vraiment, ils ont pris la map du 1, copié-collé, les meubles sont au même endroit et tout, ils ont rajouté deux pièces. Voilà, c'est tout. Ah, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est le principe de l'avoir remis, quoi. Ouais, mais... Pour ceux qui n'auraient pas pu avoir payé un gratuit. Et il y a plein d'ATM, franchement. Bah, je présume que plus tard, ils vont mettre tous les autres. Putain, s'ils mettent pont vert, ça va être pas ce bordel en déçus. J'avais essayé de faire l'hôpital, moi, tout seul. Parce que quelque chose qui était mieux dans le 1 que dans le 2, c'est les sensations au niveau des armes. Ouais, je crois aussi. Comment je suis les gens qui connaissent un peu le braquage, on doit savoir où commencer. Ça, c'est ultra grand en fait. Ouais. C'est plus grand que Big Bang. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Alors en fait, il faut trouver le manager que voilà. Regarde ici toi. Ah, que le voilà. Il est où? Mais tu veux dire, t'as dit qu'il avait trouvé. Ah ouais, mais il s'était barré au courant et je l'ai perdu. Merde. Alors, on est ici. Les braquages du 1 étaient beaucoup mieux que ceux du 2, je trouve. C'était beaucoup plus déjanté, entre guillemets. Voilà, quelqu'un prend la thermique, c'est là. À un moment, tu dois sortir, t'es sur un pont, il pleut, ça tire dans tous les sens. Celle-là, ils l'ont pas encore remis en tout cas, mais ouais, c'est le bordel. Et genre, tu dois. Celle dans 1, sur Green Bridge, là, tu dois. C'est qui est le technicien ici? Moi. Et tu dois faire évader un mec, genre à la manière de, tu sais, dans GoBank, quand tu fais évader le... Enfin, ah ouais. Tu fais envoyer les trucs. Bah tu fais pareil, parce que c'est un mec qui est sur un siège éjectable. Putain. Et il se fait choper par un avion. Ah oui. Ah oui, voilà. Moi, la first GoBank, j'avais fait... Enfin, la first bank, j'avais fait ça dans Payday 1. Et à chaque fois, je me faisais tuer... Merde, sans avoir pu rentrer dans le coffre. Ouais, on peut jouer avec. Ah ouais, je viens d'avoir le succès. J'avais pas encore sauté. I want to go away. Ah oui. Pouvez-vous sauter, s'il vous plaît? Quoi sauter? Non, c'est sérieux. C'est juste pour ça. Ouais. De quoi, Antoine? Juste parce que t'as les genoux pliés, voilà. Antoine, mets-toi ici. Mets-toi ici, Antoine. Ah, non, ça marchera pas bien. Non, pas là, ouais. Viens ici, Antoine. Attention, quoi? Voilà. Mais ici, tu sautes comme ça. Tu sautes, tu spams ta touche. Allez, fini. Vraiment à l'infini, tu dois le faire 100 fois. Ouais. En 30 secondes, donc. Tu auras le succès. Perds pas le rythme. Allez, vas-y. Allez, Gollard ! Captain Bacon ! Allez, vas-y ! Allez ! Wouh ! Allez ! Je prends le rythme. Ah ! Je me suis arraché la gorge, putain. Allez, tu peux le faire ! Allez ! T'es sous les projecteurs ! Oui ! Tu l'as eu ? Ouais. C'est bon. What the fuck, quoi. C'est les nouveaux succès de Payday. On doit sauter. Faire du bunny hop, etc. Leur gueule, qu'on assumait ça, quoi. Franchement, j'avoue que le jump il m'a fait rire, tu vois. Là, je saute puis succès, quoi. Bon. Je vais ouvrir le verrou magnétique, qu'est-ce que c'est? C'est dans le bureau du. Ah, la musique elle est bien, tiens, j'ai jamais entendu encore. J'ai pas tombé dessus. Moi, j'ai mis celle de Castlevania, par un machin chouette. Mais quoi là en fait, Régis? Y'a un ordi à activer en fait. Ah ouais, le rayon magnétique, ok. Ouais. Le rayon magnétique, quoi? Oula, sniper! Ouais. Oula, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement retardé. Il est assez loin. Je suis complètement retardé, putain. Putain! Il est pas vrai, il y a plein de snipers dehors.
On a pu le soigner. Ouais, merci. Eh bien, sérieux, on se casse. Ouais, franchement. Tu sais qu'il y a un succès sur l'autre braquage, donc l'abattoir, où il faut ne pas tuer aucun sniper. Ouais, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier et y a aussi un où, enfin, moi, tu vois, t'as un camion qui tombe sans truc et tu as tiré sur des câbles pour que le camion tombe au sol. Et il y a un succès de ne pas tirer sur les câbles et en gros, en fait, tu dois attendre. Oula. Les snipers tirent dessus. Au secours, je vais mourir. Tombe tout seul à un moment. En fait, il tombe après la première vague. Après la première vague, premier assaut, il tombe tout seul. Mais bon, tout l'assaut, il faut venir sur le TSU. Voilà, j'ai un converti. Oh, sniper. Et ils ont osé remettre l'overdrill. Ouais, l'overdrill. Donc, si vous êtes chaud, les gars. Ça se fait. Pas de difficulté, ça. Death Wish. C'est quoi l'overdrill? Bah en fait quand t'arrives dans le coffre, en fait en Death Wish t'as une porte spéciale et dedans t'as une truc avec plein de lagos d'or et tout en plus, une salle secrète, mais la drill prend 2000 secondes, approximativement une heure en fait. Il y a un taser, je sais pas où il est. Et tu dois tenir pendant une heure en Death Wish. Ouais, mais tu peux le faire en stealth? Non. C'est vrai là. Enfin, je ne crois pas, en tout cas j'ai jamais vu quelqu'un le faire en stealth. Non, parce que faut pas déconner. Je sais pas. Il y a déjà des vidéos des mecs qui le font en load. Hein. D'accord. Là, j'ai déjà plus de vie, je vais fichier. Sniper, il est là. Japonais de merde, putain. En plus, il a une belle position, ce sniper. Quel coup de jab. Mais ouais, le sniper. Je veux dire, il y a des missions, même genre Vandal, des fois, on n'arrive pas à tenir 5 minutes tant d'avoir l'hélicoptère en Death Wish sans mourir, donc. Ouais, mais attends. Il faut avoir des munitions alors. Mais c'est ouais, mineur. Quand tu me montres des munitions, ça va. Mais après, dis-toi aussi que l'époque où on essayait Vandal en Death Wish, il y avait même pas d'infamie, donc. Maintenant, quand tu peux être 3 classes à la fois. Ouais, mais pourquoi bon. Ah, tu sais, franchement, j'ai vu des mecs le faire et ils galéraient pas tant que ça. Ça va. Bah, surtout qu'en fait, y a pas 36 entrées non plus, donc. Mettre ouvert, c'est ouvert les gars. Nice! Faites fondre le sol, vite, la thermite. J'arrive. Oh yes! Le succès! C'est quoi? Tu es le cloqueur au javelot. Merci. Cyril, ok. Cyril, tu fais de l'avoir. Ouais, y'a un mec qui me suit. Un otage que j'ai pris. C'est un otage que j'ai pris. Au cas où. C'est bon. Okay. Ils sont. Et c'est ultra grand, c'est deux fois plus long que. Quand je te dis que ce duo était vachement mieux. Il y a une carte, je sais pas si ça quelque chose sans. Il y en avait moins, non? Il y avait beaucoup moins de braquages. Enfin, la thermite, ça, c'est sérieux? Pas spécialement moins que à la sortie. Maintenant, tu es délaissé, ouais, il y en a moins, mais. Il y avait une carte d'accès sur la table qui est en train de brûler. Ouais, mais c'est pour quand tu le fais en stealth, je pense. Et en fait, bah, tu vois, la porte cachée, elle est là où t'es, tu vois, entre les deux pièces, dans le petit couloir qui est à ta gauche. Là, ouais. Bah, t'as une porte qui est là, en fait, en Death Wish et tu dois tenir, dire, en gros. Ce truc-là, ça fait absolument en Death Wish, t'es sûr? Ouais. Non, mais le succès, d'accord, mais on peut pas le faire en overkill sans le succès. Non, ça s'active que en Death Wish. Putain, what the fuck. C'était pareil dans le 1, c'était que en overkill, mais dans le 1, c'est overkill plus. Overkill 145 plus. Parce que le niveau max c'est 145. Oh bah ok. Régis. Oui. Hier j'étais avec des gens pour une mission ici et ils m'ont dit de se mettre en croix ici sur le tapis, ouais. Et tout, ça fait quoi ça? Bah en fait c'est pour avoir le l'overdrill. Ah. Mais si en croix pas... Ouais, en fait il faut se mettre à des emplacements spéciaux sur les dalles ici. Il y a 3 qui doivent se mettre des emplacements spéciaux et t'en as un. Merde. Qui doit appuyer sur un bouton qui est derrière le bureau. Pour activer, enfin pour ouvrir la porte en fait. C'est assez il faut faire un truc super compliqué. En plus, il faut pas péter les caméras. Ce qui fait que t'as des flics en fait. Enfin, t'as masse de flics. What the fuck, quoi. Ouais, c'est du hardcore, quoi, en gros. Mais, oula, bonjour. Ici, ça va parce que, bah, dire, la plupart des. Il y a plein de vétérans du 1, donc ils connaissent le truc, tu vois, c'est exactement le même. Mais dans le 1, mon gars, quand ils l'ont sorti, je crois que les gens, il leur a fallu je sais pas combien de temps pour les trouver, pour trouver le moyen. Parce qu'ils te donnaient aucun indice. Hein. Ils disaient juste, voilà, on a activé un truc caché dans cette. Là, voilà. Putain.
je sais pas trop comment est-ce que les gens ont réussi à capter, enfin donner des indices vaguement, et quand ils ont vu que les gens galéraient, ils ont commencé à un peu aider, mais... C'est cool la musique. Ouais, franchement elle est super bien. J'avais pas entendu parce que j'avais la playlist. Par contre, faudrait vraiment pas qu'ils hésitent un jour à faire une vraie mise à jour pour les hitbox, parce que putain... Quand ça va avoir le cul de tirer dans le crâne, le haut du crâne d'un mec, ça fait pas un headshot. Tirer dans la main, ça lui fait pas de dégâts, et les jambes, apparemment, il en a pas non plus, donc c'est un peu chiant, évidemment. De toute façon, on ne bat pas contre des policiers, mais contre des jeans, c'est un peu chiant. Cyril est à 40 mètres du groupe. Va-t-il survivre? Je sais au prochain épisode. Lève-toi, putain! Je prends des munitions et après d'un coup il sort de l'ascenseur et YATA! YATATA! Par contre ça prend du temps à fond quand même le sol. Ouais. Que... On voit même pas de l'avancée du truc. Dommage. Là c'est beau. Ah, le trou est fini, mais voilà, j'ai regardé, c'était bon. Faut pas gaffe, il y a 2 à 3 bulldozers en bas. Ouais. J'y crois pas. Je les marque et il peut plus se J'y crois pas. Yeah. Tu es bloqué? Il y a 3 bulldozers. Un problème, un de moins. 2 de moins, 3 de moins, voilà. C'était simple. J'ai un intercepteur, les gars, tranquille. Alors ouais, j'ai mon Shimano alors. Orto, t'es où? Ah ouais. Putain, ok, là. Je prends les petites liasses. Tu prends les petites liasses, le mec, tellement Captain Bacon qu'il veut pas porter des choses, c'est trop lourd pour lui. Connard. Putain, arrêtez de prendre les mêmes sacs que moi. Rentre, c'est moi ou. Ouais, non, j'ai la perte pourtant pour prendre les sacs plus vite. Ah oui, quand tu dans un sac, ça va beaucoup plus vite. Ah, les portes s'ouvrent, d'accord, merde. Ouais. Et en général, il y a du monde derrière. Là, c'est bon. Katana! Katana man! Y'a que ça à récupérer? Ouais. Que ça? Mais il fait venir le petit ascenseur, il descend pas? Non. C'est de la merde! Je pense aussi qu'on pourrait l'utiliser, moi. Ça, j'ai jamais fait attention. Tu vas nous manquer, Simon. Je suis Simon, le clown. C'est clairement ça, quoi. Nouveau mouvement sur la toile. Je suis Ace. Putain, en fait, Régis a déjà été mettre le truc, d'accord. Ah, je vais t'aider. Par contre, je me rappelle pas, mais ça, il me semblait pas que c'était comme ça qu'on le prenait, qu'on mettait dans le trou comme ça. Je me rappelle pas. Si. Non. Ouais, en plus, ça. Non, mais dans le 1, je te parle. Ouais. T'as joué au 1 possible, toi, Cyril? Non. Ah mais ça, on le met juste là et c'est déjà compté comme bon, putain. Ouais, putain. Ouais mais attends, après il faut... Après il faut... Ouais ça lag. Faut même lâcher le sac. Bon, je sais que ça lag blindé. Le sac... Mais là ça veut dire qu'on a un peu la connexion, je pense, voilà. Non, pas toujours. Si. Moi oui. Ah du coup faudra qu'on recommence pour avoir le succès. Que quelqu'un d'autre host alors. Quoi, y'a tout le monde qui a été déco? Ouais. Ah, sérieux là? Mais c'était la fin de la mission ou pas? Ah, ok, le jeu de série, la crash en fait. Ouais. C'est la fin de la mission en fait. Sur une 2-3 quarts, on va dire. Y'a eu quoi encore à faire après? Bah, sortir. Enfin, en gros, il faut remonter à l'étage, faire péter un mur. Et éventuellement prendre la petite truc pour le skin et puis. Bon, bah, ellipse. Re! Voilà. Oui? Quoi, oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oh, mais je dis ça aux gens, moi, sur YouTube, connard. Je sais pas, j'ai cru que t'avais déco un truc ou quoi. Non. Putain, par contre, le Gewehr en kit DMR, là, il n'a que 10 balles dans le chargeur, c'est... C'est léger. What the fuck? Ils m'ont rush, j'ai rien compris.
Allez, meurs quoi. Allez, meurs. Je crois qu'il m'en reste un à tuer. J'ai mis des sons au cas où. Hein. Attends, je vais vérifier quand même. Mais... blablabla. Ouais, c'est bien. On a un seul braquage. Tu es 10 shield avec une arme de. Du machin. Ici il y a la drill qui prend du retard et il y a un peu de monde en fait. Merci. De rien. Wow, y'en a qui m'a kické là. M'a kické. Ah dommage, on avait un otage. Donc on est un peu plus loin que prévu. Désolé. On a oublié de reprendre. On a juste dû faire péter un mur ici à l'autre bout du bâtiment. Et on a les sacs qu'on a emmenés sont arrivés là-bas en bas. Eh, hey, ça s'est bugué, on tire par le plafond. Ouais, ouais, il y a... La perceuse, elle en est où? Elle est presque finie. Mais ouais, il y a un endroit où il fait... Okay. Il tire dessus à travers... Enfin, qui est Taz? Il y a des mecs qui... Il y a des tasers en fait, ils tasent à travers... Ah, ils tasent à travers les murs, là. Ah, des shields, bonjour. Voilà, il reste... 0 secondes. On a une enveloppe, je la prends. Ouais, prends-la. Voilà. C'est bon, ouais, ah non, ticket, rien à voir. Mais putain, les gars. Fais chier en toi, sérieusement. Mais quoi? Mais les shields! Ah merde! Mais oui, de merde! Moi, c'est un réflexe, mec. Ouais, bah moi, c'était un réflexe aussi. Pendant quand même 10 braquages, j'ai arrêté de tuer des bulldozers pour que tu puisses faire ton succès de merde aussi. Oh putain. Ah, t'es au pire, t'as encore 2 minutes, hein. Ils en a fini alors. Et bien, c'est que le fric bouge pas au moins. Tu sais, ils auraient pu le faire. Yes. J'entends un japonais qui s'excite à côté. Ouais. Yeah. Cours, cours, cours. Ah. Ça a quand même assez posé comme. Non, allez putain, ça me saoule, ouais. Le bouclier, il y a tellement des bugs, des fois il me fait monter sur lui quoi. Mais attends. Vas-y. Ta race. Merci. C'est bon. Je peux arrêter de tuer des shields avec mon épée, c'est super chiant putain. Tu le fais? Ouais, c'est bon. Allez. Ça apporte quoi, un masque? Ouais, un masque. Le chevalier. Et du coup, le skin, on l'a débloqué? Ouais, bah en fait, il aurait la safe et la drill. Que tu ne peux pas revendre, évidemment. J'espère pas. Et ah bah tiens. Ah, on drop les deux d'un coup à la fin de la mission de ça. Ouais. D'accord. En fait, à la fin de la mission, bah tu sors de la partie, tu vas dans Inventaire Steam et tu auras le prix. D'accord. Cool, dans les sous-sols de la banque. Ou whatever. Whatever. Du coup, on s'enfuit en camion de poubelle, oui, pourquoi pas. Seems legit. What is love? Là, quand même, il faut toujours rire dans tous les braquages, c'est quand tu sors des bâtiments, les flics ne bloquent jamais les entrées de parking, c'est pas pour toi. Ouais, j'avoue. Mais bon. Ils y pensent pas. En... America, quand même. Non, ils préfèrent avoir des courses-poursuites pour nous faire avoir un putain d'échappatoire. Ouais, on doit payer plus après, contribuable. Bah ouais, tout est lié. Complot judéo maçonnique. C'est une matière réprimée. Bah on est c'est bon. C'est cool qu'on s'en va. Oui, c'est. C'est vraiment fini. Je... Okay. Voilà. Bah ça va, ça s'est franchement bien passé. Petit boulot terminé, réclamé aux récompenses. Maintenant c'est chaud, bon. Bah après t'as la drill d'une heure quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. Petit jeu. Ouais, mais une heure c'est chaud quand même. Surtout oui. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Si on fait pas de conneries, il y a moyen. Surtout que c'est une heure, mais elle peut casser en plus, je suppose. Ah oui, évidemment. Et voilà. Ouais, en des switch, évidemment, oui. On se met à côté, et puis voilà, quoi. Moi, je suis partant. Oh, tout c'est non, moi, je suis pas partant. Moi, si. Non. Avec des tourelles et tout. Non.
Oh. Et pas tant que ça en argent, quand même. Bah, ça va. On a gagné, 742 000 en trucs volés. Hein. 500 000, c'était avec, payant. Avec de l'argent, on n'a pas pris d'artefacts ou d'armure ou quoi que ce soit. Bah, c'est un truc de un jour, 1 500 000, ça va. Ouais. Oh. Yeah. Attention, Anto, suspense. Ouais, j'avoue. Oh, j'ai pas d'argent. Arrêtez ça tout de suite, j'ai pas de thunes. Oh. Bah, au pire, si t'as de la chance, tu devrais prendre une clé. Ouais, voilà. Il faut de la chance. Mais hier, en jouant sur la journée, j'ai quand même vu deux mecs. Hein. Avant, dans l'inventaire Steam. Où mon truc, moi? Dans l'inventaire Steam. Alors. Bon, y'a rien. Et si tu l'as pas, il faut relancer le jeu, alors. Ah, voilà, ok, non, ça vient de charger. Ah, j'en... Ah, ok, ouais. Ok. Voilà, écoutez. Alors, je vais ouvrir ça en direct aussi, hein. Tant qu'on y est, regardez bien la sodomie. Mention spéciale, encore une fois, la musique, quand tu ouvres le truc, elle est trop bien. D'accord. Ouais, c'est bien fait, au moins. Laissez les gens profiter, alors. Voilà. Regarde les skins un peu. Ouais, c'est de la merde, ils sont tous moches, putain. Bon, allez, ouvrez le coffre. Allez, putain, mais donne-moi le gold vein. Chut, chut, chut. Oh là là. Oh! Non, en fait, c'est juste des déconnes. C'est quoi que t'as? Oh, ça va encore en fait, c'est un. Allez. L'équivalent du M21, j'ai plus le nom. La carabine. La M308? Ouais, c'est ça. En or. Moi, c'est le Prospector. La musique, elle est trop badass, je suis désolé. Ouais, elle est bien. Ouais, elle est cool. Si jamais on gagne, entre guillemets, le bazar jaune avec Overkill, ouais. Ça peut être quoi derrière? J'en sais strictement rien. Un masque, ça se trouve. Regardez. Ce que je kifferais, c'est d'avoir le mod du Clarion ou de l'AK. Mais bon, j'aurais de la merde, je le sais bien, mais j'ouvre ça de suite. Il est abîmé, hors du commun. Bah, je vais dire, bon. J'ai un P90 et le P90, alors on va pas faire. Du coup, j'ai testé. Hein. Modifier arme. Skin d'arme. Bah moi le skin que j'ai rajoute... Ah non c'est pas le skin, c'est mes compétences. C'est horrible. C'est tellement horrible, mais c'est pas grave, je le laisse quand même. Allez. J'ai gagné un super truc, youhou. Wolf Ornament. C'est quoi? Un fusil à pompe. Ah ok. Pour le Mosconi. Bah tant mieux, des armes qu'on n'utilise pas en plus. Bon bah voilà. Ainsi s'achève cette vidéo sur la First World Bank de PD The Ace 2, joué dans PD 2. Attendez. Il y a une PDception là. What? Il n'y a plus de lobby là? Bon d'accord. PDception. Ah. Bref. Bah salut. Voilà. Mais tout simplement, au revoir, adieu. Et ciao. Au revoir. Bye bye. Waouh.